Bonjour, bienvenue sur Méotech. Jeudi, nous pourrons parler, nous continuer la vidéo hein, et la session vidéo. Ça nous finit avec Crankshaft là. Et il y a d'autres choses que je dois ajouter toujours dans Crankshaft là. Mais la vidéo est tellement pile, tellement basse, tellement qu'il y a trop de vidéos là dans le monde à faire. Et nous mouvons, nous pourrons continuer à aller, nous parler dans Connection Rod là avec Piston, comment on va mettre Piston dans le moteur là. Et Jean pour mettre le bien et nous pourrons parler de Piston tout avant que nous mettions Piston à parler de lui parce que c'est bien important pour parler de Piston. Hein. Côté que je suis dans la vidéo, hein, c'est côté que je vais comme vu tout soir avec mes mains après que mon film était li en dans mon hôtel à moi toc et bien lio et tout le bec en vue tout soir. Et bien quand nous parlons mouvement, nous allons parler des pistons avec connecting rod là. Et pas besoin de bagaille pour vidéo ça, seulement mais juste garder les petits quelques petits bagailles très simple que nous pas besoin pour nous faire vidéo ça. Et l'autre bagaille que tu besoin ajouter dans vidéo, tu besoin montrer combien quantité l'huile qui passait en dans vulbrequin avec biel là. Et moi gain pour me faire vidéo ça automatiquement moi gain pièce et pas pièce encore automatiquement moi gain un tip que vous supposez acheter pour mettre pour contrôler combien quantité l'huile qui passait dans biel là. Mais automatiquement fin faire biel là et les rouler normalement ou toc les rouler normalement sans après ça vous checker et vous checker distance que crankshaft là aller vers l'avant et tourner et pour contrôler le wheel bon et ben ouais vous avez un problème vous avez un problème vous pouvez vivre soit sans problème dans moto là et ben dans la vidéo ça tellement besoin pour le bagage vous avez seulement besoin d'un torque wrench je toujours parler de torque wrench souvent besoin d'un torque wrench parce que avec lui même les bon spécifications chiffres et poids pour mettre dans boulon yo et puis on a parlé des boulon yo qui notre tête et biel yo. Et nous parler de parler des segments piston, ça c'est hier après-midi m'apprendre non ça en français du moins crash qui serait les segments qui c'est wing piston qui me les bagues dans piston et n'a parlé de piston, on a parlé de connecting rod tout. On a parlé de connecting rod piston et on a parlé de piston tout. Et puis on a besoin compresseur pour piston pour mettre là dans les et puis on a besoin pince et pour retirer et segment dans piston pour grave. Et c'est comme ça que nous allons partir avec vidéo et puis tout, nous avons toujours besoin d'un spray carburateur et puis tout, une toile pour scier et puis tout, un paper towel en anglais qui sont toiles de serviettes et nous utilisons pour grave scier bagage mécanique. Et après ça, besoin et non pas nous avons besoin d'un 11, ça c'est en français. Moi quoi 11 en anglais c'est 716. Oui, moi quoi c'est 716 et après ça on a besoin d'un torque wrench pendant que c'est électronique ou même capable acheter pour la et mécanique mais moi-même me servir avec électronique parce que lorsqu'on travaille en travail moi j'ai besoin de faire rapidité et mettre chiffre moi ça que j'ai besoin et n'a tout mettre les sous torque et sous spec il était moi 15 foot pound m'a mettre 15.5 n'a toujours qu'un ça pour connecter une rod là et ben nous allons partir nous allons continuer avec vidéo pour aller vers l'avant et sans nous pas camper dans route et on nous lag et je qui dans des vidéos moi t'ai parlé des pistons et moi t'ai parlé des pistons et nous allons continuer parler des n'a besoin et compresseur pour capable retirer pour capable mettre piston en dans moteur là et ça c'est clé pour compresseur là n'a besoin yon caliper qui fait qui utilise caliper pas caliper on va l'utiliser li pas fait partie ça que moi va faire mais à cause moi pas venir avec pièce et outils que moi va utiliser ça pour ça li coûte $300 seulement grand outil et puis tout l'autre grand l'autre bagaille que m'a besoin acheter tout lui li va coûter plus que $500 pour contrôler ça que moi va contrôler mais caliper li capable faire mais moi pareil comment le site ou fait cap commencer dans mécanique c'est quoi fait comment commencer dans mécanique moi pareil comment de pour faire ça que moi va faire avec caliper là mais ou capable utiliser le comme un backup ou du moins un emergency mais moi utiliser le à cause moi moto nous ça que moi besoin moto là mais il n'y a pas fait ça que je vais faire avec caliper là en tant que professionnel. Ça que je vais besoin pour m'utiliser, c'est les micromillers. Micromillers là qui savent faire de contrôler et distance piston qui c'est jupon. Jupon piston et puis de contrôler en l'air là qui c'est couronne là. Et j'ai que nous parlons, je parle de piston déjà. C'est comme si yon wa. Yon wa qui gagne un couronne en tête li. Yon le ça en anglais crown qui c'est couronne en créole et puis tout qui c'est en bas qui c'est yon le ça skirt. Skirt là li même li c'est les jupon en créole. Et puis tout avant hier après-midi gon zanmi qui parlait de ça moi relé les bagues en anglais yo relé ça wing piston wing c'est comme si son bague mettait dans main et ben en créole yo relé ça du créole français yo relé ça seg plusieurs qualités de type de segment dans moute machine mais chaque compagnie utiliser ça qui yo mettait dans machine selon ça qui yo besoin des machines yo utiliser segment ça yo besoin mais gen segment qui gen plusieurs type de forme so nous parler de segment ça et après ça pour capable parler de piston. Moi tout comment capable retirer avec pince segment. Moi mettez-les là, me fouiller-les.
Fais attention lorsque vous faites un segment, vous faites ce que est bien chita, vous vous retirez tout doucement, de façon pour ne pas casser, parce que lui-même est capable de casser. Et bien ça c'est le segment compression qui est le premier segment, et bien ça c'est le premier, nous allons retirer le deuxième et segment. Et souvent, vous avez un chiffre, ou du moins une lettre, qui est identifié, qui est bon pour mettre, qui est ou bien qui est bon pour mettre, moi pas capable de ça, les mains. Souvent, il y a toujours des faces, comme si on mettait les comme ça, on virait ou mettait les comme ça. Mais ça nous dit, on mettait les comme ça en notre tête piston, on virait les, parce que tout des games, même forme, même shape. Mais gagne tout, automatiquement, on mettait un chiffre ou bien une lettre, lettre qui est au lien, il toujours été en l'air. On mettait les en l'air, si lettre là en l'air, on mettait les en l'air. Mais si lettre là sous en bas, on virait les ou mettait là-bas. Mais si vous n'avez pas aucune lettre là-dedans, et ça veut dire que vous mettez le pour tout des faces. Vous pouvez faire face comme ça. L'universel. So, ça, c'est le premier. Nous allons utiliser le deuxième. Non? Ça, c'est la deuxième compression. Ici, elle est. On regarde. Est-ce qu'elle a un chiffre là-dedans? Non, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de lettre là dans lui-même. Identification s'arrête en lui-même. Il y a une identification là-dedans, comme on regarde les petits points ça. Il met une petite date là-dedans, comme si on tape lui. Ça, identification s'arrête en lui-même. Et puis, on ne parle pas de tirer parti. Contrôle ça, on contrôle lui-même. Ça va nous dire, comment on va mettre l'endemotel là, sans qu'il n'y ait pas de problème. Ça va nous dire, il y a juste pas trop bien. Yeah, there you go. Comme c'est pareil, lui. Je ne suis pas trop bien, désolé. Je ne suis pas trop bien. Ça c'est parti le contrôle l'huile là. Et puis ça lui même. Il suppose qu'il y a un passage l'huile là-dedans. Il est tellement sale tout, pas tellement haut là-dedans bien. Et dans un piston qui est propre. Donc quand vous ça lui-même est propre. Vous pouvez voir passage l'huile en dedans. Soit regardez bien après côté qui est tout. Il y a un petit tout en dedans. Et qui vient sortir là côté l'huile là, qui va sortir et mouiller le jupon. Là. De l'autre façon, de l'autre langage, on ne peut pas parler en créole pour ne pas comprendre plus bien. Ça va pas être belle, so. On ne peut pas regarder si on ne peut pas regarder des vidéos, si on ne peut pas utiliser le langage. So, en tout cas, et je vais vous parler, ça c'est couronne, piston en l'air, qui c'est couronne, et puis tout en bas, qui c'est jupon. Ça est le west, nous avons interprété west comme si c'est ceinture côté d'un piston en l'air. Et puis tout ça c'est connecté en wab. Et raison pour que ça piston nous utiliser piston. Piston qui ça lui fait comme si son compresseur cap compresser l'air. Pendant qu'il a compressé l'air là et puis nous capable fermer l'air là, nous capable permettre l'air là entrer pour le compresser et nous capable permettre l'air là sortir tout. Et ben, ce rôle piston seulement ça lui même lui compresser l'air là et puis nous mettre gaz et puis nous passer et bougie nous et puis nous l'emmène et puis le faire explosion traduit en puissance et puis pendant que le piston monte descend et puis les mouvements de crankshaft là et mais ça fait que ouvre une gaine un mouvement mécanique qui vient en dans moteur là et puis tu mettre transmission là et puis tu une gaine puissance pour capable rouler machine là et tu mettre gearbox ça c'est comme si que ou transfère puissance et moteur là et puis tout transfère dans caoutchouc capable mettre différentiel transmission et puis tout et l'autre gearbox comme ce qu'on utilise pour mettre dans notre cas utiliser clutch tout genre de bagages ça et bien c'est piston qui permet ou transférer puissance comme si piston lui-même wally c'est pour lui créer puissance ou du moins créer et puissance ou bien créer et faire explosion dans moteur là et puis tout seulement ça lui fait tout reste puissant et reste puissance côté il fait créer là et puis tout et il transmet à travers crankshaft là qui c'est vilebrequin et puis tout vilebrequin transfère en clutch capable déconnecter puissance moteur là avec puissance diff et transmission là et ça et wall clutch ça donc il peut parler de clutch ou bien capable mettre un torque converter qui ça le fait il utilise l'huile pendant que piston produit puissance là il transmet à travers crankshaft là qui c'est vilebrequin et puis tout vilebrequin transmet là dans torque converter la ligne à travers puissance et nous contrôler et puis nous voulons notre transmission et puis notre transmission la contrôler par un computer qui c'est cerveau et transmission et puis notre transmission compte qu'il est pour lui changer vitesse ou du moins changer et gear en anglais on laisse ça gear ou bien shift et notre transmission et puis tout le carabon 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5 à 8 et puis tout c'est ça wall piston lui même il fait c'est seulement lui transmettre lui créer puissance là et comme si c'est cœur monde
qui pompe et sans monnaie et tout sans rien a fait travail qu'il besoin faire. Et mais c'est le piston ça. Et mais comment on capable connaître qui piston nous guerre. Et vous prenez caliper ou bien et macromédia ou capable ouvrir et macromédia là c'est comme si c'est un gros si on gros fait comme si qui vire comme ça et tout qui gagne des points pour capable contrôler et les dire combien et qui grosseur et diamètre piston. Moi l'aime te l'école j'ai toujours dit diamètre piston en bas j'y prends souvent plus gros que et que diamètre couronne et ben on a vérifié ça pour moi. Mais mettez dans même cadavre si que pas comme mécanique mettez le 60 et puis on va mettre ça en millimètre. So on va mettre en millimètre pour nous capable faire l'ensemble parce que moi j'ai jamais habitué utiliser millimètre mais toujours utiliser inches qui c'est en anglais qui c'est pouce et on utilisait pouce avant. On regarde combien pouce lié. On va virer lui. Dis-lui 3.6. OK. Nous te gagne 3.6 dans jupon, nous va regarder couronne combien il est. Est-ce que ça me t'apprend l'école est-ce que c'est vérité? Ah, presque. Il est presque ça. Wow. 3.59. Ça veut dire qu'il est presque 3.6. So, eh ben ça a toujours une vérité là-dedans. Wow. Ok, mal fait. Ma tête en l'air là. 3.5. So, nous, Welly. 3.5. Mais que 3.5 là. Dans la couronne là. Et puis, nous allons faire jupon. Nous sommes capables toujours continuer 3.5 là. Un petit calvaire tout petit. 3.6D. Ça veut dire que couronne est plus gros, plus large, ou du moins, diamètre est plus large que couronne. Ça, c'est l'autre bagage que je tourne en piston. Jupon, plus large que couronne. Couronne, vous mesurez depuis en l'air, en tête là. En tête là, qui c'est couronne. So, on nous fait ça pour le piston, est-ce que c'est le même bagage à jouer? On a pour le piston moteur diesel, nous allons regarder la différence pour nous. Et qui pi pro. Ça gagne 3.2. 3.2 pour couronne, non? On peut écrire ça. Je prends, on va continuer. Dans le jupon. Ça veut dire que ça que je vais prendre le collant, c'est vérité. Clé moi, va ouais. Mettez le lien de clé. Et puis tout, ou l'agile, pas l'agile 3. Juste mettez, gardez l'offre là, et mettez le lien en première. Et tout pour place là. Mais gros bagage, on a besoin qu'on a besoin de qui est le filet gauge. Filet gauge, j'ai besoin qu'on ait combien de quantité. Combien de distance qui gagne entre couronne avec et combien de distance qui gagne entre couronne avec segment. Nous allons chercher qu'on est. Vidéo ça prend un petit temps parce que et nous allons chercher qu'on est. Ça est important un peu. On pas de garder spécifications mais on a contrôlé et combien il y a. On va mettre les chutes en dedans plus ton comme ça. On va essayer de mettre une. Il pas entré. Et nous te mettre 11. 11,000 average. Mais comme les pigots, nous allons aller avec 10. Ça c'est 10,000 average. Tu vas les pouvoir. On va le marquer 10. Côté vidéo, là. On va le marquer 10,000 average. Et puis tout le gay. Point 254 mm. On va laisser. On prend segment. On met dans le piston et tout fouet ça en donne. Il n'est pas entré toujours. Et forcé. Eh bien, gap qui gagne entre et segment avec piston, il est 3090. Je vais faire une recherche dans le moteur pendant.
Il va marquer 3000 of an inch. 3000 of an inch qui c'est 0.76 mm. So, ça c'est ça qui est bon moi. Je vais mettre le deuxième segment. On va prendre note. Parce que c'est important pour moi, parce que si je fais une vidéo, c'est important pour moi. So, premier bag là, qui c'est le premier segment. Segment 1. Et qui c'est point 3. C'est point 0.00309 inch. Ça veut dire qu'il m'écrit 2009 inch pour le premier segment. Et ça allait amener un petit point là-dedans. Qui était pas en l'air, mais là, on a mis le comme ça. J'ai noté de mettre là. Et maintenant, on a mis le deuxième là. Regardez, vous mettez la deuxième partie de la et tout la chaîne, les propres là. Et bien, on va checker la deuxième, on va regarder combien de ballons. Deuxième compression, tellement petit, même troisième n'a pas compté là. Et je ne sais pas si je suis plus petit que ça. Je suis plus petit que ça. Point 25, pas tellement bon, on va regarder point D. C'est point d'entrée à partir de la deuxième partie. Hein? Yeah. Point d'entrée. Quand vous regardez la vidéo, hein? Point d'entrée. Entrée sortie. Et après, c'est notre moyen, on est capable de regarder. Le point 0.00 of an inch, 1000 of an inch. So, et comme ça, vous contrôlez et. Bon, je suis tapé bien. C'est comme ça que vous contrôlez et segment. Moteur machine ou et ou besoin qu'on ait chiffre distance segment machine qui a joué parce que ça passe dans le segment machine. Bon, mettez le premier point parce que le premier important, premier puis bien important parce que le premier qui prend premier frappe là c'est lui qui peut quitter l'air passé ou bien ou pas. Et bien, bon, mettez le segment, on va parler sur lui. Premier segment lui-même, ça passe lui-même lorsque le moteur là a monté, il y a une tension pour lui flexible comme si pour lui prendre forme. Segment plate, lorsque la moute, les tout qu'on lui vient virer, les bent comme ça, la moute, les bent en dans moteur là. Et comme si les mouvements les virer, ils disent ça en anglais, les virer en dans moteur là. Lorsque la descend, et tout descend comme ça. Et comme si les bent, vous faites comme ça, il descend comme ça. Et ça passe les mêmes segments ça, les vraiment important pour qu'on ait distance qui gagne entre segments. Avec commode, avec corps piston, il faut qu'on ait distance entre l'offre segment en dans segment, l'offre segment en dans tête piston, il faut qu'on connaît et combien quantité de gap ou du moins combien distance qui gagne en dans moteur là pour le capable jouer. C'est comme si on met un petit bébé en dans un berceau, mais il faut qu'on ait est-ce que petit bébé en lui-même lorsque il est en train de berceau, est-ce qu'il y a un côté pour vivre école. S'il n'y a pas qu'à vivre école, et bien l'esprit l'a tourmenté, il n'y a pas qu'à fonctionner bien. Mais c'est même avec segment. Segment lorsque vous mettez dans le moteur là, checker distance qui gagne entre segment avec le piston. Vous mettez bien. Vous avez un petit trou ça qui est sous tête segment. Faut que vous contrôlez combien distance qui gagne. Ça fait que vous avez fait ça tout à l'heure pour qu'on ait. Parce que faut que vous passiez ça avec dans la vidéo. Parce que vidéo est important en pile. Et mal l'école pour lui, je connais tout ça. Fait l'aime fort moteur, bagay pour l'aime parce que le moteur là, je connais que je garantis le moteur là à 200 000 malades. Les gens qui accompagnent en fait, c'est comme ça me fait tout moi-même. C'est comme ça, j'ai besoin d'aller tout pour me faire tout le bagage parfait. Soit ça fait vidéo à prendre temps tout pour garder le tout. Eh bien, il y a une raison besoin lorsque vous mettez segment, il faut que vous connaissiez distance qui vient entre segment avec. Je vais faire une démonstration pour nous et je suis capable de aller comme ça. Et puis tout, partie de l'huile là, les mêmes sont bagages capable de faire avec main parce qu'il est vraiment flexible en pile. So, mettez-le. Et tout faire ce qu'il est fermé. Donc, mettez première. Souvent, il y a comme ça, vous mettez première. C'est vraiment facile pour mettre premier avec deux. Prends ça, pas tout monter, pas forcer parce que vous cassez. Dès que vous cassez, vous pouvez vous acheter l'eau et vous allez dépenser l'argent, vous allez dépenser l'argent, vous allez dépenser. Donc, pour prendre temps, pour passer ce mécanisme, passer ce mécanisme, après avoir le sens de la création, dans le dessous, ça fait que la création de votre machine, on va enlever ça. Personnellement, on va enlever ça. Quand on a disparu, on va enlever, c'est bien parce que c'est important. Ça c'est parti en bas, mettez parti en arrière, il va bien pour lui, même si seulement, vous juste besoin de mettre les biens, juste parce qu'on ne peut pas casser lui.
important. Ça va facile. Ça n'importe mon cas à faire. Seulement prends son pour faire bien. Guillaume en l'aile et Guillaume en balle. Très simple. Et puis tout filmer. Et bien, l'autre bagage nous va le faire. Nous allons filmer tes segments. Et bien, nous allons retirer le premier segment. Et vous êtes capable de retirer le premier segment. Je vais faire pratique avec le premier segment parce que la vidéo est capable de longue en pile. Je vais faire pratique avec le premier segment. Et puis tout pour nous capable de mettre le piston. Et bien, nous allons aller dans le moteur là. Nous allons mettre le crankshaft déjà. Nous avons juste besoin d'aller mettre le segment pour nous contrôler la distance segment gain pour compression avec explosion au but de la température là. Faut nous contrôler la distance qui gagne entre segment et compression segment pour qu'on ait pour mettre le bien. Pour lorsque le moteur là descend pour lui vraiment flexible pour lui jouer et plutôt lorsque l'explosion fait passer l'explosion fait gain en pile compression les gain et tension pour lui ouvert ou du moins gain et tension pour lui fermer so et bon besoin mettre distance qui gain là donc non pour contrôler distance pour mettre lui normalement pour pouvoir contrôler et pour pas de problème lorsque machine a fait combat sur lui ou bien a fait explosion lui pour pas de problème et bien nous pour partir là nous pour mettre et caméra dans moteur là n'a vu moteur là pour mettre piston normalement ok voici là.